Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, on va s'occuper de la moto bécane AV89. Thank you.
Donc on va démonter la culasse. J'essaie de coller une cale en dessous de façon à ce que vous voyez quand même. Relever un peu la caméra. Voilà. Voilà, on va pas se mettre trop parce que. Alors j'enlève le cylindre entièrement. Parce que je vais regarder tout simplement l'état. Au passage, hein, parce que bah ça fait quand même plusieurs années que le cylindre est monté. Hein. Voilà, donc. Si j'ai pas l'habitude, quand je remplace un joint de culasse, de laisser le joint d'en bas qui est monté. En général, quand je remplace l'un, je remplace l'autre. Alors concernant le 65 Hersal, j'ai fait une boulette moi quand j'ai commandé les joints. J'en ai les joints des pots, j'en ai commandé qu'un. Et en fait à la base il m'en faudrait deux. Et je vais vous expliquer pourquoi. C'est tout simplement parce que le montage de l'échappement sur le 65 Hersal est plus profond que l'origine. Donc ce qui fait que quand vous mettez votre pot d'échappement, vous avez l'écrou va arriver contre la culasse, mais en fait le pot ne touchera pas le joint. Voilà, c'est collé, on va lui mettre un peu de WD-40. Un petit maillet. Ça y est, ça commence à venir. Voilà, ça y est. Moi, je vais remettre la bougie dessus. Parce qu'il y a un truc qu'il faut que je vérifie. C'est l'étanchéité du décompresseur. On va essayer de se mettre quand même droit. Ça serait quand même bien. Bon, ça a l'air malheur, plutôt pas trop mal. Voilà. Je suis à un endroit qui est sec, donc si je vois que c'est mouillé sur la planche, bah, c'est que le décompresseur n'est pas étanche. Tout simplement. Donc voilà le joint que j'avais monté. Donc à l'origine c'était un joint en 39 que j'ai passé en 45. J'ai pas mon pied à coulisse là pour vous le mesurer. Mais je peux vous dire qu'il est largement plus fin que le Hersal. Et je confirme que ça avait tapé au piston. Parce qu'il y a une marque dedans. Alors il n'y a pas beaucoup de différence, hein, mais bon, il y a une différence quand même. Donc on va démonter le cylindre, parce que je voudrais quand même nettoyer le piston. Ouais, il y a de la saleté d'huile de merde là. Donc ça, je le nettoyerai hors caméra. On va quand même regarder s'il n'y a pas des marques de serrage ou quoi que ce soit. Non, à première vue, ça n'a pas l'air. Donc j'ai perdu un clips. Hein. Donc j'en ai récupéré un sur le cylindre d'origine. On s'en fout, c'est les mêmes. Je regarderai quand même s'il n'est pas dans le moteur. Donc. Contrôler mon bas moteur quand même.
Donc là en fait ce que je fais c'est que je regarde. Le jeu déroulement. Bon, le jeu de la bière, je le regarde, hein, c'est juste. Juste histoire d'eux, hein, parce que c'est un vieux broquin neuf, hein, c'est un vieux broquin de motobécane 51. Bah, le piston, je suis plutôt surpris, j'aurais pensé qu'il aurait. Il aurait pris un shtar, mais il n'a pas pris plus que ça. Donc voilà, j'ai nettoyé toutes les pièces. Hein, donc on va procéder au remontage du moteur. Donc dans un premier temps, on va remonter la cage à aiguille. Avec de l'huile. Hésiter à en mettre, c'est pas ça qu'il faut que je remonte en premier, c'est le joint en base. Donc j'ai tout commandé chez Bixes. On va mettre de l'huile sur le joint. Donc, on va changer de méthode, d'habitude je fais pas comme ça. Que je mette la lumière forte ou pas forte, de toute façon vous verrez pas mieux pour autant. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de l'huile sur mon joint, comme je disais. Donc la dernière fois j'en avais mis que d'un côté, que côté carter. Cette fois, je vais le mettre des deux côtés parce que j'en ai chié pour enlever le joint sur le cylindre. Un côté. Et deux côtés. On va poser le joint. Alors j'ai fait un nettoyage moteur, j'ai mis de l'essence dans le bas moteur, de l'essence du mélange propre, donc tout simplement le mélange que je mets dans le réservoir, hein. Dedans j'ai bougé mon vilebrequin, il n'y avait pas le clips dedans, par contre le moteur était légèrement grippé quand même au niveau des roulements. C'est d'ailleurs pour ça que je veux également changer les roulements par la suite, hein. Parce qu'en fait, les roulements que j'ai dedans, c'est des roulements cage acier. Et moi, je voudrais mettre des cages polyamides. Il y a quand même moins de risques que ça grippe. Alors, ça a grippé, c'est tout simplement parce qu'elle est restée presque un an sans tourner. Et comme vous pouvez voir, on est dans un sous-sol. Et le problème, c'est que c'est un sous-sol qui est, bah, qui n'est pas étanche et qui prend l'humidité comme il prend la flotte. Donc c'est pour ça que le moteur avait grippé. Et c'est pour ça également que je trouvais qu'elle chauffait. Bon, c'est un moteur à air, ça doit chauffer, mais il a chauffé et chauffé quand même. La cage à aiguille que j'ai huilée, que j'ai nettoyée et que j'ai huilée. Voilà. L'axe du piston qu'on va huiler aussi. Alors, il se peut que je ne sois pas très bien aligné, hein. C'est la première vidéo que je fais de remontage moteur sur le tréteau avec la nouvelle caméra. Et en plus j'ai pas d'objectif grand angle dessus. Alors je pense en acheter un. Donc toc. On va coucher le moteur. Monter le clips. Voilà. Donc c'est des clips en diamètre 13 là-dessus. Bah comme pour les origines, de toute façon. Voilà.
On vérifie bien en le tournant que le clip se soit monté. Et on n'oublie surtout pas de le monter correctement. C'est-à-dire la barre, soit vers le haut, soit vers le bas, mais surtout pas sur le côté. Et c'est là où on va bien s'amuser, comme à chaque fois. Ça, c'est le point faible du kit 65 air sable. Si on peut te dire, c'est que le cylindre est extrêmement dur à monter. Donc, dans un premier temps, je vais mettre la pièce que je m'étais fabriquée. Donc, c'est une cale en aluminium assez épaisse qui doit faire bien 8 mm d'épaisseur. Je la mets. Je passe en fait ma bielle dedans et je la mets entre le piston et le carter moteur. Je viens foutre mon piston embuté dessus. Si je peux. Voilà. On aligne les segments. Je l'ai bien monté dans le bon sens. Ouais, le piston est dans le bon sens. Déjà, il faut juste que j'arrive à trouver. Ah oui, c'est vrai que là-dessus, c'est l'avant. C'est à l'avant. Je vais passer de l'autre côté, de façon à ne pas devant la caméra. En voilà un, en voilà deux. Alors on huile le cylindre. Alors n'hésitez pas à être gourmand là-dessus. Vaut mieux être gourmand que de faire un serrage. Je vais essayer de zoomer un peu. On va pas zoomer plus que ça. Je vais me faire un peu de place. Je vais comprimer les deux segments. Il va falloir de la lumière. Sont placés. Alors. Donc, on comprime les segments quand même un peu. Vous les maintenez comprimés. Alors sur le air sale, en fait, c'est compliqué à remonter. Je vais essayer de vous montrer tout simplement parce qu'il y a la pièce là, au niveau du transfert. Ça s'est monté un peu trop facilement à mon goût, ça. Ça veut tout simplement dire que les segments commencent à être cuits. Je peux vous dire qu'en temps normal, ça met pas, c'est pas aussi facile que ça à monter. Ça, c'est sûr. Donc, j'enlève la cale. Hop, le cylindre est monté. On va faire tourner. Le problème, c'est que là... Voilà. Et on tourne le moteur pour s'assurer que tout va bien. Et là, c'est le cas. Voilà. Donc, ce qu'on va faire maintenant, joint de culasse. On va monter le joint de culasse.
que j'ai reçu à moitié plié, mais fort heureusement il n'est pas cassé. Donc le joint de culasse sale, voilà, qu'on place dessus, la culasse que j'ai entièrement décalaminée. La soupape du décompresseur est étanche.